Pour cette pêche un petit peu particulière, donc dans un premier temps je pêche dans un étang, donc il n'y a pas beaucoup de fond, donc je pêche avec une ligne relativement légère. Là j'ai un flotteur d'un gramme, donc c'est tout à fait léger, mais par contre avec une puissance suffisante pour pouvoir arrêter des carpes et des très gros poissons. Donc avec une ligne légère pour un étang avec 3 mètres de fond environ, là on a un flotteur de 0,75 exactement, voilà, 0,75. Par contre, un flotteur très très particulier, le nylon est passé à l'intérieur du corps du flotteur. Voilà. Et ensuite, le corps du flotteur qui est gainé, pour pas éclater, pour pas se couper, par une petite gaine en plastique. Et ensuite, on vient mettre la quille, qui à son extrémité est peinte pour servir d'antenne. Ce qui fait qu'on ne solidarise pas le nylon avec le flotteur avec un œillet qui risque de s'arracher avec des fortes pressions. Pour que le flotteur ne bouge pas en action de pêche, on introduit un silicone sans y passer le nylon. Le premier silicone est juste là, le nylon est dissocié de ce premier silicone pour arrêter le flotteur. Et ensuite, deux silicones qui sont eux montés sur la ligne préalablement et qui viennent finir de solidariser le flotteur avec ce nylon. Donc on passe ça dans la quille, première chose, premier et second. Le second on le laisse, pour éviter les emmêlages, on le laisse juste à fleur du bout de la quille et l'autre on le met au milieu. Et voilà le flotteur. Donc une ligne très légère mais un nylon très puissant. Puisque là on utilise en l'occurrence un 14 centième, c'est quand même un nylon qui a une résistance de l'ordre de 2,2 kg. Mais en plus, contrairement à toutes les autres pêches au cou, je n'utilise pas de bad line. C'est-à-dire que pour éviter les points de rupture, je mets directement l'hameçon sur le corps de ligne. Donc il n'y a pas de raccord corps de ligne, bas de ligne. Donc, ce qui fait que je pêche en 14 centième direct. Autre particularité de cette ligne, justement l'hameçon. Hameçon qui lui-même est aussi très très particulier. Il est relativement petit puisque c'est un hameçon de taille 14, mais par contre il est très très gros de fer et pour pas qu'il s'ouvre, et il ne dispose pas d'ardillon. L'ardillon sur des très très gros poissons avec une grosse tension sur le nylon, ça aide à déchirer les chairs du poisson et ça risque de nous faire des décrochages. C'est ni plus ni moins qu'une aiguille recourbée. Dès l'instant où il y a une énorme traction, le poisson d'un côté, le pêcheur de l'autre, et qu'il y a toujours cette traction, il n'y a pas de risque de décrochage. Et le tout équilibré avec entre 4 et 6 plombs sphériques. Alors, bon, là, la plombée est complètement tassée, mais parce que j'ai rencontré la présence de gardons qui me prenaient à la descente, mais la ligne conventionnelle à la base, c'est un plomb de touche, et ensuite une plombée massive. Plombée avec laquelle on va jouer tout au long de la partie de pêche, ici sur les gros poissons comme dans toutes les autres pêches, jusqu'à ce qu'on trouve la position optimum pour la capture des poissons à l'instant T. Je préfère rappeler au maïs pur à la fronde, c'est beaucoup plus discret qu'un amorçage avec l'amorce. Donc on a un amorçage de base avec l'amorce et ensuite tout au long de la pêche, un amorçage d'excitation avec quelques grains de maïs de temps en temps. Ça y est. Ah, on essaye de les sortir le plus rapidement possible du coup pour pas qu'elles fassent trop le cirque sur le cou. Bon, on a quand même un 14 centième direct, donc c'est quand même très solide. Oula, l'élastique. Donc là, il faut bien y mettre les deux mains.
J'ai un élastique d'un millimètre 6. Et malgré ça, il s'étend bien. Oula oui. Une belle carpe commune à écailles. Elle n'est pas d'accord. Hein. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ouais, un poisson qui passait 2 kilos. Et voilà la première. Voilà, une très belle commune. Avec des écailles partout. Tout à l'heure, j'espère qu'on prendra quelques miroirs. Ça, on verra la différence. Ah oui, c'est un poisson qui passe les deux kilos sans problème. Donc l'hameçon, pas besoin de dégorgeur, tac. Voilà. Puisque c'est ni plus ni moins qu'une aiguille recourbée, il n'y a pas du tout d'ardillon. C'est vraiment un super poisson. Pas une écaille qui manque. Très joli. Allez, barbillon. Bon, on va pas la faire souffrir plus longtemps. Je vais la mettre dans la bourriche délicatement. Et voilà. Alors bien évidemment, pour cette pêche un petit peu particulière, à l'instant où on s'adresse à des très gros poissons et où on veut les prendre sans l'adjonction d'un moulinet, avec un frein, avec une canne sèche et un élastique, bien évidemment, c'est pas tout à fait une canne normale de pêche à déboîter. Hein. C'est une canne qui est capable d'encaisser des élastiques de taille numéro 16 jusqu'à même un peu plus, jusqu'à 2 mm de diamètre, et des nylons de 14, 16, 18 et même 20 centièmes en bas de ligne, ce qui n'est pas tout à fait orthodoxe pour une canne classique normale de pêche à déboîter. Donc c'est exactement le même système, simplement ce sont des cannes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus résistantes. Pour illustrer un petit peu ce que je viens de vous dire sur la qualité de la canne, bon, on constate ici une épaisseur de fibre beaucoup plus importante que sur les cannes classiques. Si j'essaye de faire une pression avec mes doigts, je n'arrive pas à enfoncer le carbone, parce que bien évidemment, donc elles sont quand même considérablement renforcées. On pêche au maïs et il y a une méthode pour que le maïs soit vraiment très prenant. Il faut qu'il soit le plus naturel possible, qu'il ressemble le plus possible aux grains de maïs qui sont posés sur le fond, qu'on a jeté tout à l'heure pour amorcer. Et bien, je vais vous faire voir comment il faut écher ce maïs. Voilà, alors, choisis un maïs bien formé. Il y a une partie qui est coupée, c'était là où il y avait le germe, là où il était accroché sur l'épi, et une partie qui est lisse. On va choisir cette partie, on va enfiler l'hameçon à l'intérieur, et ensuite on va le faire tourner, et on va le rentrer du bout du doigt, et on va légèrement faire une petite pression, et voilà. Contrairement aux idées reçues, il n'y a absolument pas besoin que la pointe de l'hameçon sorte du grain de maïs pour pouvoir piquer le poisson. Sous l'action du ferrage, le maïs va se casser et va piquer quand même le poisson, même si on ne voit pas l'hameçon. Par contre, on va gagner énormément en discrétion, parce que là, comme on peut s'apercevoir, eh bien, la carpe ne va absolument rien voir. Malgré la grosseur de l'élastique, les carpeaux l'étendent quand même. Hein. Hop là, décroché. Aïe, aïe, aïe. Là, bien évidemment, avec un maïs, à chaque fois qu'on fait, on perd le maïs. Alors, toujours avant de mettre la ligne en place, tirez un petit peu sur la ligne pour vérifier que l'élastique sorte bien et que la ligne n'ait pas fait un tour du sion. Parce que sur des gros poissons, eh bien, c'est la casse assurée au ferrage. On remboîte. On soulève la ligne. On la pose et on lâche tout de suite. Alors, contrairement au coup classique, où on fait des petits relâchés de ce style, là, on va exciter beaucoup plus la carpe en reprenant à 1 mètre carrément et en relâchant d'un seul coup le grain de maïs. Puisque n'oublions pas que de temps en temps, il en tombe
jeté par la fronde. Pour être le plus précis possible, on va fronder les grains de maïs avec la canne en action. C'est-à-dire que la ligne est déjà en place. Donc, avec la main droite qui tient la canne, on tient le godet et on avance la main gauche et on lâche. Voilà, comme ça on est très très précis. Et s'il y a une touche en même temps, on peut ferrer comme ça avec le genou. En la une. Oui. Oula. Alors, tout de suite, déboîter le plus vite possible. De toute façon, dans cette action-là, on tire droit sur l'œuf. Donc ça fait sortir l'élastique et on ne risque pas de casser. Comme ça, ça permet de sortir le poisson tout de suite du cou. Parce qu'effectivement, un gros poisson qui combat sur le cou, ça risque de faire partir les autres. Oh là, oui. Pas énorme, mais... Oh, c'est une petite commune. Voilà, donc là, maintenant, on ne risque plus rien. On ne risque pas de faire peur aux autres en la combattant ici. Voilà. Et tout de suite, hop là. Un poisson d'un kilo à peu près. Voilà. Beau carpo. Commun. Un kilo à peu près. On le décroche délicatement. Voilà. Tout simplement. Et on va le mettre délicatement dans la bourriche. Voilà. Allez, au suivant de ces messieurs. Une autre chose aussi très importante, la façon dont je vais poser ma ligne dans l'eau. Là, exactement, c'est ça le terme. Je vais la poser, c'est-à-dire, voilà, à l'aplomb, et je la lâche tout de suite. Comme ça, le grain de maïs n'est pas du tout bridé par le nylon et tombe tout à fait naturellement sur le fond, comme ceux que je propulse avec la fronde. Un peu. Souvent, on ne met pas beaucoup à la fois. Ça aussi, c'est important. Hein. 5-6 grains, qui est toujours une activité sur le coup. On a une. Oula, ouh, elle est grosse celle-là. Très, très grosse. Oula. Sérieux, c'est vraiment très gros ça. Là, voilà la belle. La canne déformée. Allez, là, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, déboîter tout de suite pour la sortir du coup, à mon avis, impossible. Aïe, aïe, aïe. Ouh là là. On est à la limite, là. Hein. C'est un effort important. Aïe. On va quand même essayer de tirer dessus pour la faire sortir du coup. Sinon, on risque fort de rester une demi-heure sans touche. Ouh là là, élastique. Quand on pense à la puissance de cet élastique, il résiste à 14 kg et qu'on voit comment il est, à mon avis, ça va être un beau bébé. Aïe, elle monte. Elle monte, mais elle ne veut pas voir le soleil. Ah oui, c'est une miroir. Elle n'a pas d'écailles. Là, on va préparer. Et voilà. Oh oui, au moins 3 kg. Il ne faut pas la rater au premier. Voilà. Alors là, il faut absolument céder du pied parce que sinon l'épuisette casse. Hein. Aïe. Oh, elle est orange. Aïe. Ça passe 3 kg largement, ça. Elle est orange. Regardez-moi ce beau poisson. Aïe. Aïe. Elle est piquée juste à l'intérieur de la bouche. Oh, c'est les belles. Regardez ce poisson un peu. Largement 3 kg. Bon, on va la décrocher délicatement, comme les autres. C'est un tout petit peu plus compliqué, voilà. Et je vais la mettre à la bourriche. Là, c'est les belles. Orange. Très beau poisson. Voilà, délicatement. Et voilà.
On a vite fait pour trouver le fond de la bourriche. Allez, ça fait 300 grammes, mais avec le fil que l'on a, il n'y a aucun problème. Au passage, vous remarquez la plombée. J'ai descendu volontairement la plombée, je l'ai groupée complètement, sans plomb de touche, sans rien, très près de l'hameçon, une dizaine de centimètres, parce que ça faisait quelques touches de rotangle que j'avais, pour que la ligne soit plus... Aïe, elle glisse. Pour que la ligne soit plus directe et moins souple, et qu'elle arrive en bas pour intéresser les gros poissons sur le fond, et que les gardons me laissent tranquille à la descente. Voilà, alors toujours pareil, à peine piqué, il suffit de faire ça et hop, c'est parti. Allez. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est pas une carpe, ça. C'est pas une carpe, mais c'est quoi? Oh, un gros gros gardon. On va pouvoir le soulever avec du 14 centième. Il doit faire 200 grammes. Enfin, le 14 est... Voilà, ça c'est un vrai gardon. Tout à l'heure c'était des rotangles. Ah oui, au moins 200 grammes. Hein. Ben même lui, il n'est pas rebuté par le maïs. Hein. Et hop, avec les autres. Hop, à une touche. Oh, raté, nom de chien. Des fois, on est surpris. On peut faire avec un même, mais elle a été trop vite. Ça fait rien, elle va revenir. Hop là, le vent commence à nous embêter. La une. La vie n'est pas mienne. Alors, toujours bien rester en tension. Pas oublier qu'on a un hameçon sans ordillon. Un bon kilo. Encore une. Ouh, elle vient direct. Encore une carpe à écailles. Ouais, t'as fait une vie. Et hop là. Voilà. Une belle carpe commune à écailles. Il est évident que c'est impressionnant de soulever des poissons comme ça. Il est évident qu'avec une ligne classique de pêche au cou et une canne classique, bon, des tanges qui passent déjà les 250-300 grammes, il vaut mieux les mettre à l'épuisette. Mais là, on est quand même en 14 centièmes et la canne le permet. Donc, on les soulève. Ouais, toujours pareil, on voit l'hameçon qui est piqué et qui, sans aucun... Voilà, hop, il se décroche tout seul parce qu'il n'y a pas d'ardillon. On va vite la remettre dans la bourriche pour qu'elle souffre pas trop. On va essayer de tenter des plus gros poissons en augmentant la bouchée. Alors, même avec un hameçon de 14, on peut arriver à mettre 2, voire 3 grains de maïs. Là, je vais en mettre 3. Voilà, un. Je vais prendre
un troisième, un, voilà, que j'enfile aussi, voilà, et le dernier, qui lui va cacher complètement l'hameçon. Voilà, je vais rechercher les deux autres, et voilà, un chapelet de maïs. Il réussit seulement à faire augmenter la taille du gardon. Un beau gardon de 200 grammes. En rotangle de 200 grammes. Un genre bien rouge. Et la gueule déportée vers le haut par rapport à un gardon classique. Et beaucoup plus large. Bon, je vais en profiter pour redonner un petit coup de sonde. À force de bouger le fond, je ne sais plus très bien où j'en suis. Alors, hop là. Alors, je préfère les sondes du type anglaise. C'est-à-dire plutôt qu'une sonde qui pince le nylon, on risque d'y avoir une altération de ce même nylon. Je préfère les sondes dans lesquelles on va planter l'hameçon dans une partie qui est en liège. Voilà, maintenant il nous reste donc à sonder. Voilà, je vais porter la ligne pour bien retrouver la cassure. La cassure, c'est la différence de fond à un moment donné qui se fait dans l'étang. Voilà, là je sonde à peu près à 9,50 m. Mon flotteur est à environ 30 cm en dessus de la surface. J'allonge maintenant. Et je m'aperçois qu'à 11,50 m, il est carrément dans l'eau. Donc effectivement, il y a une cassure d'environ une vingtaine de centimètres qui doit se situer aux alentours des 10 mètres. Voilà, déjà à peine on recule un petit peu, on voit que le flotteur, voilà. Donc sur cette place, on s'aperçoit aisément que la distance adéquate est aux alentours de 11,50 m. Puisque entre 9,50 m, 10 mètres et 11,50 m, on a presque 30 cm d'écart. Donc les poissons vont longer plus volontiers cette cassure plutôt que de monter en dessus du platis. Voilà. Donc finalement, je ne suis pas si mal réglé que ça. Pour ce genre de poisson, on peut utiliser différentes zèches, soit le bouquet d'asticots, soit le grain de maïs, soit le ver de terreau. Voir le panaché, asticot, grain de maïs. Bon, c'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, mais dans ce plan d'eau, il y a vraiment trop de gardons. Et dès l'instant où on met un asticot, même s'il est ajouté à un grain de maïs, on a tout de suite les gardons qui nous ennuient. Donc je pense que la solution optimum ici, c'est le maïs pur. Oh, c'est décroché dans la...
dans l'épuisette. Ça glisse, une tanche. Surtout si on ne veut pas la serrer pour ne pas lui faire du mouette. Belle tanche. Commune. Oh, décroché aussi dans la... Décroché dans l'épuisette. Allez. Là voilà, là voilà. Et c'est une grosse... Aïe, le fil. Aïe, aïe, aïe. Là, je t'avais dit. Tu vois, pour provoquer la touche, j'ai mis deux grains de maïs. Elle n'est pas énorme. C'était une goulue. Par contre, c'est une miroir, ça. Une petite carpe miroir. Juste une rangée d'écailles en haut de leur sol. Et encore une fois décroché dans l'épuisette. Celle-là, un peu plus grosse. On peut monter. Ah, voilà. Raté le premier 25, voilà. Voilà. Mètre carpe, miroir avec plus d'écailles. Ah oui, bien 2 kilos. Hein. Grosse lèvre. Les lames sont toujours pris très très près de la gueule. Non. Alors. Et hop, voilà, juste encore une fois, même son, bien pris, mais facile à décrocher. On l'abîme pas. On va la remettre à l'eau. Voilà. On va trouver le fond de la bourriche. Encore une belle carpe. C'est peut-être le poisson de la journée. Pas sûr. Juste à sortir du coup. Oh si. Si. Ou l'élastique. Oula, oui, oui. Oh. C'est... On va bientôt là, voilà. Oui. C'est pas énorme, ça va nous faire pas loin de 3 kilos quand même. Oui. Oh, une belle... Une belle miroir. Mais là, c'est pas grave parce qu'on l'a sorti du coup, donc il faut pas la rater. Elle est pas con. Ça y est. Oui. Oh oui, largement trop. Une belle miroir. On sort déjà beaucoup plus. Hein. Ça. Ça commence à faire plaisir. Voilà. On est sacré couleur. Hein. Ah mais moi, c'est pour ça. Ah oui, elle est grasse. Il me ressemble. Ah oui, largement 3 kilos. Hein. Elle est épaisse.
celle-là, c'est la plus belle. Mon record dans ce lac à la canne, c'est quand même 19 livres. Hein. Au bord du Rhône à Valence pour essayer de vous démontrer que même en courant, en grosse rivière, on peut essayer de s'attaquer aux gros poissons avec une canne sans moulinet. J'espère qu'ils seront au rendez-vous. Bien, donc la première opération, c'est le mouillage de l'amorce, une amorce qui doit être très consistante et très lourde parce qu'on a du courant. Donc on va commencer par cette opération-là. Bon, alors, une amorce avec des particules un peu plus grosses que si on pêchait en plein d'eau et surtout un collage beaucoup plus important parce que sous l'effet du courant, si l'amorce n'est pas assez collée, elle va se déliter trop rapidement et on va perdre les poissons. Alors on va partir d'une base de 3 kg d'amorce sèche. Pour une journée de pêche, quand on est tout seul au bord de l'eau, ça va suffire. Alors une particularité, moi j'ai pour habitude dans les courants d'abord de mouiller l'amorce, peut-être de la surmouiller un petit peu, et ensuite de la recoller avec des chapelures de pain flamand. Donc c'est un pain qui colle beaucoup. Et bon, un petit attrait supplémentaire, on en a de la rouge, de la jaune et de la rouge. Donc d'abord on mouille et ensuite on met cette chapelure. Alors au passage, vous voyez que j'ai opté non seulement donc pour une amorce collante avec des particules relativement grosses, mais en plus d'une couleur relativement claire. Bon, le but étant de prendre des gros poissons. Ici, c'est un parcours où si on a un peu de chance, on va prendre des grosses brèmes. Bon, d'une manière générale, la brème est un peu plus attirée par les amorces claires. Alors, donc on mouille progressivement, comme d'habitude, pour bien que toutes les particules soient bien humectées. Et là, contrairement à un mouillage classique, on va, comme je vous le disais tout à l'heure, mouiller un peu plus fortement, sachant que la chapelure jaune et rouge que l'on va remettre après, on va pomper l'excédent d'humidité. Et ensuite, on obtiendra l'amorce finie avec un mouillage normal. C'est une amorce qui colle beaucoup. Tout de suite, c'est un peu plus difficile qu'une amorce traditionnelle à mouiller parce qu'elle fait rapidement des paquets. Enfin, après, une fois qu'elle sera passée au tamis, elle aura une homogénéité parfaite. À ce stade-là, on n'a pas trop l'habitude d'avoir l'amorce comme ça. Ça fait plutôt pâté à cochon. Une amorce très collante sur mouillé. C'est à la base assez bizarre comme consistance. Mais avec... Voilà. Donc on va mettre un demi kilo de rouge, un demi kilo de jaune. Alors la couleur, c'est un attrait supplémentaire. Le pain flamand à la base est bien sûr blanc. Et là, il a été colorié artificiellement. Enfin, il est prouvé que les gros poissons sont bien attirés par ces morceaux de chapelure de couleur. Alors oui, d'ailleurs, au passage, que ce sont une granulométrie relativement imposante. Hein. Alors on mélange bien tout et on va finir de s'installer en laissant gonfler. Donc le pain, cette chapelure en rouge fluo et jaune fluo, va pomper l'humidité excédentaire de l'amorce. Et ensuite, on aura une consistance parfaite. Et on pourra tamiser. Bien, on va laisser gonfler et on va en attendant monter la ligne. Bon, vu qu'on est tout seul, que le fond est assez important relativement près du bord, on va se contenter de pêcher à 11 mètres. Je pense qu'un 2,5 g doit suffire. Le courant est moyen à cette distance-là. Il est évident que plus on va s'éloigner, plus il y aura de fond, plus il y aura de courant, plus il faudra un flotteur gros, mais là je pense qu'à 11 mètres, 11 mètres 50, ça va suffire de 2,5 g. Enfin, on va commencer comme ça tout du moins. Alors, vu qu'on a l'espoir
de prendre des gros poissons. Bon, cette ligne de grande 5, il n'y a rien de très particulier, sauf qu'elle est montée avec un corps de ligne de 16 centièmes et un bas de ligne de 14. On va commencer comme ça, et puis suivant les touches, suivant ce qu'on va rencontrer comme poisson, éventuellement, soit on grossira encore, soit on diminuera si les poissons s'avèrent plus difficiles. Voilà, alors au passage, bon ben, l'élément particulier sur cette canne, c'est d'abord sa résistance et ensuite, bien sûr, le diamètre de l'élastique. Celui-ci, en l'occurrence, fait 1,8 mm de diamètre. Voilà. Alors, il y a du courant, donc cette ligne est montée d'une façon un petit peu particulière, c'est-à-dire avec une olivette. Hein. Pour l'équilibrage, on va trouver quelques petits plombs. Alors, le plombage d'une ligne pour pêcher en courant, moi, personnellement, je préconise donc quelques petits plombs pour finir l'équilibrage, plomb de touche donc, et ensuite un équilibrage massif par une olivette. Là, en l'occurrence, sur une ligne, sur un flotteur qui porte 2,5 g, j'ai carrément une olivette de 2,25 g. Donc 0,25 g en petit plomb pour finir l'équilibrage. On commence avec un hameçon relativement imposant, puisque bon, je vais utiliser un 14 centièmes. Et encore une fois, on évoluera en fonction des touches. Alors, au niveau du flotteur, donc, je vous ai dit 2,5 g. Par contre, une forme adaptée au courant, à savoir une forme boule, une forme trapue, parce que quand on va retenir la ligne, pour que le flotteur ne sorte pas de l'eau. Donc une chose un petit peu particulière que j'utilise quand j'utilise des nylons aussi importants, je rajoute une petite gaine en silicone sur l'antenne, en plus de l'œillet métallique qu'il y a sur le flotteur. Parce que quelquefois, au ferrage, on risque de détériorer le flotteur avec des nylons aussi gros, et d'arracher l'œillet métallique. Donc là, il y a les deux. En plus de ça, cette petite gaine silicone sur l'antenne nous donne un contrôle de ligne encore meilleur, parce qu'on tient vraiment le flotteur par son centre. Voilà, ça c'est une petite particularité. Prochaine sonde, on va aller voir un peu la profondeur du coup. Si on trouve une petite cassure, une petite différence de fond, c'est toujours très intéressant de poser l'amorce le long de cette cassure. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Entre 9 mètres et 11 mètres, une différence d'environ 30 cm de fond. Donc je vais poser mon amorce juste au ras de cette cassure, sous la 11 mètres. Bon, par contre, ce qui est important aussi, c'est d'essayer d'aller voir derrière pour voir si la pente n'est pas trop importante d'un coup. Voilà. Donc effectivement, en sondant derrière le coup choisi, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de marche à cette distance-là. C'est là que je vais poser l'amorce. Alors maintenant, chose importante aussi en courant, il ne suffit pas de sonder juste là où on va poser l'amorce, parce que la ligne va avancer progressivement sous l'effet du courant. Donc c'est très important aussi de sonder toute la coulée. Donc on se déplace de quelques dizaines de centimètres et on re-sonde. Pour l'instant, on s'aperçoit que la coulée est très régulière. Et pareil. Voilà, parfait. Bon, eh bien on va mettre l'amorce à cette distance-là. Bon, alors avant d'amorcer, bien évidemment, comme on va additionner quelques asticots dans l'amorce avant de confectionner les boules. Alors bon. Toujours pareil, on est là pour essayer de prendre des gros poissons, donc on va éviter tout ce qui peut attirer les petits. Par exemple, ne serait-ce qu'au niveau des asticots, on va utiliser que des gros asticots, toutes les couleurs, quelques jaunes, quelques blancs, quelques bronzes, et aussi quelques castères. Le castère étant l'asticot, la deuxième évolution de l'asticot avant l'éclosion de la mouche. Souvent, les gros poissons sont très friands de ce genre de choses. Voilà, alors... Alors au départ, une bonne poignée d'asticots. Allez, on va faire bonne mesure, on va mettre 1,5. Voilà. On va mélanger tout ça. Voilà, et on va confectionner une dizaine de boules très serrées pour l'amorçage de départ. Voilà. Alors, bien évidemment, comme repère, on va mettre la canne en action de pêche.
c'est l'amorçage. Voilà. Alors un bruit caractéristique, hein. Identique. On jette un caillou dans l'eau, hein. Un morse tricolant. Donc une amorce très collante et surtout qui ne nuage pas. Toujours pareil, le but étant d'attirer les gros poissons et pas les petits. Donc vous voyez, l'impact dans l'eau, il n'y a absolument aucun nuage. Alors on va commencer avec une plombée relativement souple. Donc on va monter la plombée de bas, la plombée massive. Étaler les deux petits plombs dessous, puis après, suivant comment la pêche se déroule, on va rendre la ligne plus dense ou plus souple encore si la pêche est difficile, plus dense si la pêche s'avère facile. Alors sur un tel hameçon, je vous rappelle que j'ai un hameçon de 14, donc je vais mettre deux gros asticots, deux gosers. Voilà, bien s'assurer que l'élastique n'a pas fait un tour au bout de la canne. Voilà. On va commencer. Alors, on essaye de positionner la ligne déjà en action de pêche. C'est-à-dire, on va poser le plomb en aval du flotteur. Ensuite, on va lâcher pour qu'il se mette en place. Le but étant, bien sûr, de faire passer sur le coup amorcé l'èche avant la plombée. Et on va systématiquement contrôler la dérive du flotteur. Pour laisser la ligne dans cette position. Dans le courant comme ça, je conseille une pêche au rappel, systématique et de suite. Hein. On attend donc des petites boules d'amorce que l'on jette presque à chaque passé, voilà, sur le coup amorcé. Allez, premier poisson, oh, il n'est pas monstrueux. Au départ, c'est un peu logique, mais avec des gros fils. On arrive à prendre des gardons d'une centaine de grammes. Voilà, bien sûr, pas de précaution. Le fil est largement surdense. Hop ! Ben voilà, il s'est décroché. Largement surdensitaire pour prendre des poissons comme ça. Là, j'essaye carrément avec les casters, les fameux casters. Hein. Donc, ce sont des asticots qui ont déjà fait le cocon, juste avant la phase finale de se transformer en mouche. On remboîte la canne. Toujours la positionner, le plomb en aval par rapport au flotteur. Voilà. Et la boule de rappel. Systématique à chaque passé. Toujours bien serré. Dans le but d'éviter d'amener les tout petits poissons. Voilà, encore un petit gardon. Même au caster, hop, c'est décroché tout seul. Même au caster, on peut prendre des poissons. Ouais, celui-ci, il est vraiment relativement petit, une cinquantaine de grammes. On a beau prendre toutes les précautions au niveau de la morse, grosses particules, pas de nuages. Malgré ça, il y a toujours quelques petits gardons qui viennent voir un peu ce qui se passe au début. Mais ils vont vite être découragés si on a la chance de faire venir un troupeau de grosses brèmes. Noté au passage, j'ai étalé volontairement très loin la bourriche dans l'eau pour que le poisson soit dans les meilleures conditions possibles et qu'on puisse le relâcher en pleine forme. Une bourriche et que vous la laissez entassée sous le ponton, c'est évident que les poissons n'auront pas suffisamment d'espace, ils vont s'abîmer, ils vont s'écailler et là vous allez les remettre à l'eau dans de mauvaises conditions. Thank you.
Bon, en principe, si je les regarde, on les met à l'épuisette, environ 200 grammes, mais là, avec un fil comme ça, pas de problème. Ils grossissent, on a de l'espoir. Hop. Voilà, environ 200 grammes. C'est peut-être un signe. Pas énorme, mais on peut se permettre des folies avec un nylon pareil. On peut tirer fort, mais quand elles arrivent en surface, elles sont pas battues. Alors elles font un cirque. Oui, d'habitude, avec des cannes et des lignes conventionnelles, un poisson comme ça qui passe le kilo largement, on va mettre quelques minutes là. On a mis quelques secondes pour le prendre. Voilà. Ah oui, ça fait largement 1,2 kg, 1,3 kg. Et. Encore timide, hein. Malgré qu'on soit posé par terre de 30 ou 40 cm, elles l'ont juste au bout du bec. Voilà. Belle brème. Allez. C'est la première d'une longue série, j'espère. Elles affectionnent plus particulièrement les asticots rouges. Alors on va leur donner ce qu'elles veulent. Voilà, trois asticots rouges. Un enfilé et deux pendus. Un hameçon de 14 permet de mettre 3 asticots, sans problème. J'ai peut-être fait une erreur, avec si peu de courant, j'aurais dû mettre une amorce moins collante. Voilà, alors la canne en position de pêche, face au repère, la grosse quille blanche et rouge là-bas, et l'amorce toujours exactement au même endroit. Voilà, et tout de suite, dès que la ligne est au fond, on freine, on bloque, l'antenne est légèrement en biais par rapport à la surface, on freine complètement la dérive de la ligne, on l'arrête même, en ayant pris soin de mettre plus de fond, et souvent les brèmes prennent les éches arrêtées sur le fond. Hein. Alors on freine bien, et hop, ça y est. Ouh. Ouh. Ah oui. Allez. Encore une fois, ce genre de matériel permet de ne pas tergiverser. Voilà. On tire, on tire, on tire. Et gentiment, la voilà. Et voilà. Bon kilo. Raisonnable vu le matériel utilisé. Mais il y a bien plus gros que ça. Et j'espère que c'est ce qui va nous arriver tout à l'heure. Si on arrive à prendre des brèmes jusqu'à 3 kg et même plus. Alors, un asticot enfilé et deux pendus. Là, j'ai donc remis une amorce beaucoup plus légère, aussi lourde mais moins collante. Elle est lourde donc elle va bien au fond aussi. Et dès qu'elle arrive au fond, eh ben, elle se délite. D'habitude, pour bloquer une ligne ici, carrément arrêter la ligne, il faut mettre 6 ou 7 grammes. Là, vous rendez compte. Oup là. Hey. Avec un ferrage aussi appuyé, on leur prend tout de suite 2 ou 3 mètres au ferrage. Hein. Bon, c'est un beau poisson, mais c'est pas... Ah, un très beau gardon. Un énorme gardon. On va quand même l'épuiser. Et voilà. On voit un gardon qui passe les 500 grammes sans problème. Voilà. Voilà, 3 casters sur un hameçon de 14. Souvent, les brèmes sont friandes de ces éches. On va faire un essai tout de suite. Donc, on vient d'en prendre 2 ou 3. Le troupeau est peut-être là. Voilà, là la canne en position. Une boule de rappel et on bloque tout de suite. On ne laisse pas du tout avancer la ligne. Encore un beau gardon. Celui-là doit faire au moins 400 grammes. Et qu'avec des câbles comme ça, on peut sans problème soulever ce genre de poisson. Voilà. Commence à faire très chaud. Hein. Avec que des gros gardons là. Des gros gardons.
Pour contrôler les lignes dans le courant comme ça, petite astuce, on va mettre la pointe de la canne sur une dizaine de centimètres dans l'eau. Ce qui fait que la bannière, à savoir le nylon qu'il y a entre le flotteur et le bout de la canne, est complètement immergé. Ça permet d'éviter que le flotteur ne bouge trop. Oh là là! Je parle et je rate la touche. Il y a des brèmes et des gros gardons sur le coup. C'est peut-être le moment d'essayer les vers de terre. Mettre un bon terreau pour les grosses brèmes. Alors on ne va pas l'enfiler, on va bien le laisser gigoter. On le pique deux fois et on le bloque avec un caster. Un panaché caster vers de terreau, en principe très prisé des grosses brèmes. On va vérifier ça tout de suite. On n'oublie pas la boule de rappel. Voilà. Et on bloque. Le soleil a tourné, maintenant je l'ai en face de moi. Et j'ai de difficulté à voir le flotteur. La prochaine passe, je vais peindre le bout de l'antenne avec un feutre noir. Ouais, je vais même le faire tout de suite parce que ça me tire les yeux. Alors, tout simplement, un marqueur indélébile. Et on peint l'antenne. Et là, en principe, avec le soleil de face, ça devrait aller nettement mieux. Voilà. Un moyen efficace de transformer la couleur de l'antenne. Bon. Ah oui, c'est nettement meilleur. Là, on voit bien que l'antenne est légèrement oblique par rapport à la surface parce que je la tiens. Je tiens le flotteur bloqué complètement pour immobiliser les éches sur le fond. Alors en pêchant comme ça, il y a deux possibilités. Soit la brème prend les éches et s'en va, donc à ce moment-là, bon bah ça s'enfonce. Le flotteur s'enfonce comme une touche traditionnelle. Soit elle le prend et ensuite elle remonte. Et à ce moment-là, le flotteur déplombe complètement. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Et voilà. Donc elle a été remontée. On a vu le flotteur qui sortait de l'eau. Et c'est bien tombé, ça a illustré tout de suite. Ah, c'est une belle brème. Incroyable, j'étais en train de vous dire ça et j'ai exactement eu ce style de touche. Donc c'est la brème qui ramasse l'èche sur le fond et qui se... Oula, celle-là elle est belle. Hein. Ah là voilà, une belle jaune. Ouh, ça fait 2 kilos. Voilà. Ça c'est un beau poisson. Et comme quoi, le ver de terreau, ça attire les plus grosses. Ah oui, 2 kilos, c'est un sans problème. Hop là, et voilà. Eh ben, voilà, une belle brème du Rhône. Ouh oui, peut-être même 2,5 kg. Hein. Regardez-moi cette épaisseur. Ah, voilà, une brème qui commence à vouloir dire quelque chose. Ça fait au moins 2,2 kg, 2,3 kg, ça. Hein. Regardez un peu cette épaisseur. On voit le caster, là, qui tenait le ver de terreau. Le ver de terreau, bien sûr, est parti. Et elle est juste piquée, là. Allez, à vite à l'eau. Voilà, alors la ligne en place, toujours le même repère, et la boule sur le flotteur, voilà. Alors, on arrête complètement la ligne, on reste quelques minutes comme ça, puis après on relâche, on laisse dériver de quelques centimètres et on rebloque. Voilà ce qu'est la pêche à bloquer. Hein. C'est pas bêtement arrêter définitivement la ligne là où elle se trouve. Hein. Il faut quand même prospecter au moins 1,50 m de mètre de coulée. En voilà une autre. Oh, mais elle est pas grosse. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une petite plaquette. Une petite plaquette de 300-400 grammes.
Oula, ce gardon. Ouf. Alors là, c'est un gardon en vrai. Hein. Ouf. Incroyable. Plus de 40 cm. Un gros papa gardon. Regardez-moi cet angle. Allez, on retourne à l'eau. Un gros gardon comme ça avec un gros fil, sur un fil beaucoup plus adapté à la pêche du gardon, ça serait beaucoup plus une meilleure sensation, mais enfin bon. Comme quoi, quelquefois, on se traumatise trop avec la grosseur des nylons. Hein. Bon, encore celui-là est gros, mais tout à l'heure, on a pris quelques poissons beaucoup plus modestes, en 14 centièmes. Hein. Là, c'est plus qu'incroyable. Une petite brème qui doit faire 30 ou 40 grammes, trois gros asticots, un hameçon de 14 et du 14 centième. Alors là, c'est vraiment impressionnant. Oula! Oula là, qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre. C'est lourd, mais c'est pas une brème ça. Oh voilà, oh, c'est pire. Non, un carassin. Oh, carassin. Ça revient en rose, ces poissons-là. Et voilà. Oh, il fait largement le kilo. Hein. Super poisson. Sorte de petite carpe, la même famille que les carpes. Il n'a pas les petits barbillons sur le côté comme la carte. Il était pris par le bout du nez, l'hameçon s'est mis au mot de la bourriche. Ah, ouh, ben celle-là. Ouh, à mon avis, elle passe largement les 2 kilos. Une belle bien noire. Oula, reste tranquille, cocotte. Voilà les barèmes typiques du Rhône. Très jaune, très, très épaisse. Ah ouais. Et puis toujours pris par le bout du bec. Hein. Un superbe poisson. Et au moins 2,5 kg. Bail aux corneilles. Elle doit être belle. Ouf. Quand elles font ça, qu'elles restent en bas du courant. Ah ça y est, on la voit en surface. Oh putain, oui, elle est grosse. Énorme. Énorme. Et grâce au gros fil, on peut quand même se permettre de tirer fort sur des poissons pareils. Et voilà. Bien qu'on soit posé de 40 ou 60 cm par terre, elle est juste prise par le bout du bec. Pourtant, on pourrait penser qu'un poisson aussi gros allait avaler. Pensez-vous. Non, on va vite la remettre à l'eau. Faut pas risquer de la perdre, il vaut mieux un poisson pareil, enlever l'hameçon dans les... Voilà, on est encore dans la tête d'épuisette. Voilà, beau poisson. Ouf. En voilà une autre. Oh, j'ai le soleil dans les yeux, j'arrive pas à voir ce que c'est. Pas l'air monstrueux, mais lourd quand même. Oh, c'est un carasse, hein. Ah. Et voilà, c'est pas la 20 kilos, ça aussi, hein. Tout rond. Un beau carassin. Superbe carassin. Au moins 1 kilo. Voilà, puis enlever l'hameçon. Et voilà. Allez. Hop là. Et ben voilà, on commence à avoir une belle bourriche, là. Ça y est, une autre. Oh, elles m'ont tous vu en surface.
Non, ça reste folle là-bas. Allez, tire. Avec un tel câble. Oh, elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Ah voilà. Et voilà. Ouh. Encore 2 kilos. Sans problème. Allez, sois tranquille. Ouh. Super brème du Rhône, bien noir. Super poisson. Ah oui, largement 2 kilos. Allez, on rejoint tes copines. Bon, ben voilà. Avec ce dernier poisson, on va s'arrêter là. On vient donc de vous démontrer que soit en plan d'eau, soit en rivière, il était possible de s'attaquer à des poissons relativement imposants comme les carpes, les grosses brèmes, avec un matériel sans moulinet, une canne adaptée, un gros élastique. Je pense que les deux bourriches vont vous prouver que cela est bien possible. Je pense qu'on a une bourriche de pas loin de 20-25 kg de poisson. Et ce, en même pas 4 heures de pêche. Nous regardons un hybride, croisé avec un gardon et une brème. Une énorme brème. Voilà. Très beau carassin. On les gardons toujours. Une autre très grosse brème. Encore une. Tout content de retrouver leur élément. Voilà. Un très grand carassin ici. Ça repart aussi volontiers. On va les aider, les oxygéner. Et voilà. Et une ici. Qui est un peu secouée, mais c'est jamais bien méchant. Hein. Et voilà, elle est repartie. Mais avec des gros poissons, si on maintient une traction où le vent est très pénible dans ce coup. Donc hameçon, on recommence. Hop. Donc un hameçon. Non, pas donc. Bruit qui en rappelle à la fronde. Qui en rappelle, excusez-moi, qui en rappelle à l'amorce. Il faut que je recommence. Il n'y en a pas ici, t'as de la chance. Qu'est-ce que tu me fais faire là? Juste, je n'en vais pas exagérer. J'y arrive pas, les gars. Non, juste, ouais. Juste, t'es content. Non, filme pas ça. Enfoiré d'hameçon, où il se fourré pendant que je discutais. Il filme, enfoiré, arrête. C'est pour le bêtisier. Ouais. Il a raté, salopé. Et alors, dans cette pêche, j'utilise une ligne très légère au niveau du poids du flotteur utilisé, tout simplement parce qu'on pêche dans un plan d'eau avec pas beaucoup de fond, il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Là, le vent m'ennuie, pardon. On recommence, c'est mieux. Hein. J'espère qu'ils seront au rendez-vous. On va... Stop. Ah. Action. Stop.